Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Fred Bérard, bon matin. Bon matin, Serge Trudel. André-Léonard est là. Bonjour, Fred. Aïe, 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 je le vois pas, mais on sent quand même la présence du vétéran. Ah, c'est clair. Ça va bien? Ah, ça va comme c'est mené, puis toi? Ah, bon, ouais, moi aussi, ça va bien. Ben, je vais vous laisser. C'est trop drôle. l'éternel, ça va bien. Non, mais ça va bien. Ah, t'es content. C'est une formule de politesse. Oui, peut-être. Tu sais qu'il va te répondre ça, fait que t'as du fun. Non, oui. On te connaît. C'est le grand lancement de Maelstrom cette semaine. C'est une grosse semaine. Oui, monsieur. Mercredi. Bien content. Plusieurs. On est prêt? Plusieurs. Pardon? On est prêt? Ben, écoute, je te dirais que ça fait 18 mois qu'on se prépare. La job est finie. Fait que là, il s'agit d'aller comment je te dirais, présenter le tout au public et festoyer un peu. Là. Ça va être, écoute, c'est ça, la job est faite. Ça va être sympathique. Puis après, ben, ça part. On lance la plateforme, en fait, mercredi soir. Ouais. Puis après, disponible pour le grand public mercredi soir aussi. Et quand je parle de grand public, je parle d'absolument tout le monde. Hein. Vous avez des questions sur des vices cachés, des divorces, des garanties prolongées, bon, ces trucs-là. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le droit à l'avortement, sur l'aide médicale à mourir, sur la liberté d'expression et tout, vous allez tout avoir ça. En plus de balados documentaires sur, par exemple, ce que j'ai fait au Rwanda, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, Guantanamo et tout, Nicaragua, Salvador, bref, il y en a plein. Fait que, ouais, ça va être présenté mercredi soir et nous sommes bien heureux de tout ça. Le monde judiciaire simplifié, vulgarisé? Ouais, puis ça, ça c'est le volet grand public que je viens de te dire, mais on a aussi les professionnels qui nous écoutent. Notamment les avocats, les notaires, mais aussi tout autre professionnel qui peut considérer ça pertinent. On a plus de 50 heures de formation qui ont été reconnues par le Barreau du Québec dans le cadre des formations continues. Nous, comme professionnels, on est obligé de faire X nombre d'heures, dépendamment des professions, à chaque année, chaque 2 ans, chaque 3 ans. Et ça a été reconnu par le barreau, puis on est des professionnels, disons, par exemple, moi qui anime avec, par exemple, un bâtonnier qui va parler de l'absolution en droit criminel ou souffler dans ballon, des trucs du genre, des développements récents. Donc ça, c'est pour les professionnels, mais on offre aussi cette même formule-là pour le grand public. Donc, disons que monsieur X, vous n'êtes pas avocat, mais vous auriez aimé ça, peut-être étudier en droit, peut-être faire un bac, bon, ça n'a pas donné pour toutes sortes de raisons, mais vous allez avoir accès à ces formations-là, donc plus de 50 heures aussi, puis il y a toutes sortes de forfaits là qui sont proposés, et puis voilà. Et Fred, vous êtes une grosse équipe derrière tout ça? Ben, en fait, c'est moi qui ai parti ça, là, c'est ça, 18 mois, et j'ai avec moi Claude Durocher, là, qui est mon agent, puis qui gère un peu toute la shop, mon ami Max, qui s'occupe, qui est ingénieur informatique, mon ami André, qui est réalisateur, et mon ami Michaud, qui est avocat aussi, mais on a une équipe de 25 formateurs avec nous. Moi, je forme aussi, là, dans les domaines que je connais, évidemment, le constitutionnel, mais sinon, j'anime beaucoup. Et on a plusieurs, c'est à peu près 25 formateurs, là, je te dirais. Il y en a qui sont très connus du grand public, il y en a qui ne sont pas, il y en a qui sont plus ou moins. Mais ce sont tous des spécialistes dans leur domaine. Puis on essaie de faire des trucs pratiques, mais aussi des trucs, je te dirais, politiques, philosophiques. Je te donne un exemple, Marlene Jennings, qui était à la Chambre des communes, que tu connais peut-être. Elle est venue nous raconter pendant 2 heures comment a été adoptée la loi qui permet le mariage entre conjoints de même sexe. Mmh. Il y a eu un gros jeu de tractation là-dedans parce qu'il y en a plein qui voulaient rien savoir de ça. Ouais. Il y a eu un renvoi en Cour suprême. Donc, elle est venue nous expliquer ça. Écoute, c'est fascinant. Elle est venue nous expliquer aussi que son père, ça c'est dans le cadre d'une autre formation, son père qui est un noir aux États-Unis en Alabama dans les années 30, avait quitté l'Alabama parce qu'il était poursuivi par le Ku Klux Klan. Qui était débarqué au Québec, puis il a dit que non, c'est le paradis ici, et dans toute l'évolution des droits fondamentaux. Donc, bref, puis il y a d'autres trucs. Éric Garot, que tu connais, évidemment, notre ami, ouais. Il est venu me parler parce que lui, c'est sa spécialité, tous les beaux commerciaux, comment ça fonctionne. Vous avez un commerce, vous avez une PME, comment ça fonctionne, à quoi il faut penser, puis ainsi de suite. Donc, tu vois, on se promène vraiment de trucs plus philosophique, plus historique, plus politique, à des trucs plus pratiques aussi, dépendamment. Fait qu'il y a une espèce de Maelstrom. Puis pour ceux qui se posent la question, Maelstrom est un nom néerlandais. Ouais.
peut dire, justement, tourbillon. Alors, voilà l'idée. Petite leçon d'histoire, ouais, André. Ben, parfait, c'est bien expliqué. Et là, la question que André se pose, il va-t-il y avoir des citations sur Maelstrom? Ben, non, parce que je garde ça pour... pour la radio, pour Trudel le matin. Mais là, je te vois venir, tu veux savoir que... Ah, puis il y a derrière affaire qu'il faut que j'ajoute. Hein? Il y aura sur Maelstrom, par exemple, une revue de presse quotidienne de tout ce qui touche l'appareil judiciaire, le droit de manière générale, vous allez avoir accès à tout ça, et ça, c'est gratuit, évidemment. Alors, les trois citations d'aujourd'hui, j'ai décidé d'en rajouter une. Ah, on n'en mérite pas trois. Ben, je sais bien, mais je vais en dire rien. Alors, vous avez quand même trois options. OK. Vous avez évidemment Albert Camus qui se passe de présentation. Voilà. Charles Bukowski qui se passe de présentation. Mm-hmm. Et le petit dernier que j'infiltre de manière subtile dans l'arsenal. Très subtil. Le grand philosophe allemand qui est Arthur Schopenhauer. Oh! Qui était, oh là là, oh là là. En tout cas, je ne vous dis pas pour qui voter. Bon, mais quasiment. Ouais, j'ai envie. Il vous dit pas de voter pour la 3, mais si vous votez pour la 3, il va... On dirait qu'il aimerait ça. Ouais, ouais, il va être content. Fait que 1, 2 ou 3, laissez-vous aller gaiement jusqu'à 8h au 825-255-9909. C'est le texto, 825-255-9909. On va s'arrêter tout de suite parce que je vois déjà que le temps a filé et qu'on va revenir avec ce fameux combat. Hey, je parle pas de Jean-Pascal samedi. On parle de... Non. Parce qu'il n'y a pas eu lieu, celui dont on va parler, mais on est-tu rendu là? Invitation à se battre de Jack Mincing à Pierre Poilievre. On discute de son retour. Le Mont Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. 8h-10, juste dire à ma gang de CFLO d'arrêter d'envoyer des bonnes fêtes à Carl. Ben ça, on entend dans la console ici, pling! Je pourrais aller le muter, mais je sais pas où, puis j'ai pas le temps. Fait que on y souhaitera tantôt à Carl, bonne fête. Tu peux lui souhaiter d'ailleurs, Fred, là, à ce moment-ci. Ah oui, ben là, je peux-tu ou je peux pas? Ah, tu peux, ouais, là, toi, tu peux. Oh, oui, OK, bonne fête, Carlo! Toi, t'as le droit. C'est bon. C'est quand même inusité, invitation, parce que, oh, tu sais, bon, on le sait, des fois, ça vole pas haut et ça s'enguirlande pas à peu près dans ces endroits où on détermine notre sort à la nation, que ce soit à Québec ou à Ottawa. Mais invitation à se battre, c'est peu courant. Bon, André me disait tantôt, il y a quand même deux versions. Il y a celle-là, uh-huh, qui l'a vraiment invité Poilievre à se battre. Et de l'autre clan, on dit, ben, c'est pas vraiment ça, mais Poilievre était visiblement irrité parce que ça fait deux semaines qu'il pile sa grosse orteille avec le fait qu'il est là juste pour les mauvaises raisons, notamment la pension à vie. Et là, ben, l'acharnement. Oui, oui. Contrairement à Poilievre qui, lui, est là pour. Les bonnes raisons, les très bonnes raisons. Oui. Poilievre, il est arrivé à Ottawa, il avait, je pense, 17 ans pour travailler sur la colline parlementaire. Il est arrivé là dans les sous trop grands de son père. Il a jamais travaillé de sa vie, ce gars-là. Là. Pas des farces. Il a jamais fait autre chose que de la politique. Oui, parce que là, ça s'entend qu'être politicien, c'est pas travailler. C'est un petit peu, là, quand on dit ça. Ben, d'un, puis être là pour la pension, je veux dire. Il y a tous les députés pensent à leur pension. C'est quoi cette affaire-là? Puis pourquoi tu t'attaques à Singh comme tel? Mais honnêtement, moi, Poilievre, je vous dis, il est dangereux. Parce qu'il est habile, puis on est dans une ère où on laisse passer ces choses-là, puis on en profite, évidemment. Est-ce que, quand tu parles de danger, c'est à quoi exactement tu veux en venir? C'est parce que, bon, on sait qu'il est capable d'aller loin, là. Mais regarde bien, là, je vais te donner un exemple bien précis. Reculons en 2000. Et ça fait quand même pas 1000 ans de ça, là, ça fait 24 ans. Ouais. Comment ça fait longtemps, tu vas me dire, là? En 2000, là, s'il y a des jeunes à l'écoute, là, qui n'étaient pas nés, là, Laissez mon oncle Fredo. Mon oncle Fredo, mon oncle Fredo, laissez-lui un petit peu de nostalgie ce matin. En 2000, les enfants, n'oubliez pas ceci. Jamais un politicien aurait pu dire les choses suivantes. Un, l'hydroélectricité est faite par les éclairs. Ouais. Deux, si on ne coupe pas la taxe carbone, il va y avoir une famine au Canada. Trois, si on ne coupe pas la taxe carbone, les personnes âgées ne pourront pas chauffer plus que 13 dans leur logement. Quatre, si on ne coupe pas la taxe carbone, on ne pourra pas prendre notre char l'hiver. Jamais un politicien, les enfants, aurait pu dire des trucs débiles du genre en 2000. Mais pourquoi, mon oncle Fredouille? Mais pourquoi? Parce qu'il s'est inventé une patente à gosse appelée Toc Toc, Facebook, Twitter.
Et il est arrivé, mon oncle Donald, D-O-N-A-L-L-E, mon oncle Donald, lui, il dit, je peux dire n'importe quoi, puis ça marche, les immigrants mangent vos chiens, mangent vos chats, puis montez dans les sondages. Alors, la réalité, c'est que le monde s'en va sur le diable. Ouais. Plus tu dis des niaiseries, plus les gens font « Ah, ouais! » Et on va ajouter ceci, les enfants, vous étiez nés probablement, c'est arrivé une pandémie où il y a des gens qui se sont mis très riches avec des YouTube en désinformant les gens. Et on les nommera pas parce qu'il y en a un qui s'appelle Samuel Grenier puis il vient de Mont-Laurier. Et il était capable, il l'est encore, de dire n'importe quelle débilité du genre le stade olympique est un abattoir parce qu'on y vaccine des gens et ainsi de suite. En d'autres termes, un monde parallèle s'est créé. Et Pierre Poilievre, arrivé à Ottawa à 17 ans, quand Ottawa avait encore un peu d'allure, a très bien compris ceci. Lui-même qui a encouragé un convoi des camionneurs et tout le tralala. Alors, bref, il y a deux univers. Il y a l'univers un petit peu plus rationnel, puis il y a l'univers parallèle. Pierre, il sait qu'il y a une sacrée belle gang dans son univers parallèle. Et je vais vous donner une source scientifique, les enfants. C'est celle-ci. Il y a 84,5% des gens qui croient au complot, donc aux conspirations, qui votent conservateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont que tous les conservateurs croient au complot. Non. Ça veut dire que presque tous ceux qui croient au complot votent conservateurs. Et ça, petit Pierre, il est au courant. Mais il y a quand même, à ce moment-ci, à peu près 40% des gens qui s'apprêtent à voter conservateurs. C'est pas mal de monde quand même, là. C'est ce que je te dis. C'est pas parce que tu votes conservateur que tu es conspirationniste, sauf que la quasi-totalité, 84,5%, ça commence à être du monde, de gens qui croient aux conspirations, votent conservateur. Alors, si tu es chef conservateur, ben, il faut que tu entretiennes cette gang-là parce que c'est beaucoup de monde. Okay. J'ajouterais ceci. Retournons en 2000, les enfants. N'oubliez pas qu'aucun politicien en 2000 n'aurait pu voter contre le droit à l'avortement. Or, Thi-Pierre, il l'a fait à 4 reprises sur des trucs un peu banals, mais quand même, depuis les dernières années. Et il a, dans sa députation, 40 députés qui se sont prononcés ouvertement contre l'avortement. OK. Ça, c'est la réalité. Mais aucun reproche à ton chum ceinture noire qui invite l'autre à se battre? Non. OK. C'est assez. D'autres questions? Non, merci. Mais évidemment que, écoutez-moi bien les enfants. Oui. La violence n'est jamais une option. Sauf. Non, va pas là. Non, je déconne. Mais clairement, Singh s'est dit, puis je sais pas, là, j'ai pas parlé, mais je suis certain que c'est ça. Je suis vu comme le gars trop gentil, Mr. Nice Guy. Mais ça, c'est vrai. Puis je me fais piler dessus, puis je me fais écœurer. Là, il a décidé de montrer son côté un petit peu moins sucré, c'est-à-dire ben, le côté claque sa gueule. Ouais. Et ça donne bien parce que Jagmeet est ceinture noire dans un art martial quelconque, je me rappelle plus lequel. Il va dire une affaire. Quand tu serres la main à Jagmeet, puis quand il te serre dans ses bras parce que c'est ce qu'il fait, tu comprends que t'es peut-être mieux de pas l'écœurer. Parce que s'il décide de se fâcher, il va te revirer comme une crêpe, puis il va faire de toi un beau saucisson allemand. Comprends-tu? Ouais. Il est ultra en forme. Et, je répète, la violence n'est pas une option. Mais là, je pense qu'il veut casser cette image-là du gars qui se fait tout le temps écœurer. La preuve, la petite vidéo qui a circulé la semaine passée. Oui. Où il y a deux wobos avec des casquettes des Maple Leafs qui sont allés l'insulter dans la rue puis s'est reviré de bord. Exact. C'est qui vient de dire ça? Là, où tu dis c'est pas moi. Et qu'est-ce là, que t'as dit, surtout? Fait que, bref, je pense qu'il essaie de casser ça. Et tu vois, ça remonte quand même assez loin. Pierre-Éliott Trudeau, à l'époque, était très, très, très belliqueux. Ouais. Et lui et Michel Chartrand, qui étaient deux chums à Outremont, Michel Chartrand, le grand syndicaliste québécois, ouais, qui étaient deux chums à Outremont à l'époque, ils ont à peu près le même âge, sont allés à l'école ensemble. Chartrand est allé écœurer Trudeau dans une manif des gars de la PAM, si je fais pas erreur. Et donc, Chartrand est là, Trudeau sort de sa limousine avec ses gardes du corps, puis là, Chartrand commence à l'écœurer. Puis Trudeau part à la course pour lui donner des claques à la gueule. Évidemment, les agents de la GRC le lèvent de terre. C'est quand même le premier ministre. Il va pas aller donner des claques à la gueule à un syndicaliste. Puis là, Chartrand, il dit,
Hey, tu te fais défendre par tes chiens, tu non? Ah, ouais. Et là, évidemment, l'autre, tu pètes les câbles une fois mille. Et puis voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est pas d'hier. Est-ce que c'est justifié? Évidemment pas, parce que la violence n'est jamais une option. Ouais, c'est risqué. Si les gars avaient sorti quelque chose de. Tu sais, à un moment donné. Tu parles des deux gars, ça va. Ouais, c'est ouais. Ça. Quelqu'un, il y a de quoi. Une arme ou je ne sais trop. C'est... Moi, m'a dire une affaire, là. Si j'avais engagé l'argent d'épicerie des 40 dernières années, incluant l'inflation, là, c'est pas ces gars à casquette des Maple Leafs que j'aurais mis mon argent, André. Ça, je peux te dire ça. Non, ils ont rarement autre chose qu'un cellulaire. D'ailleurs. Mais tu sais, d'une fois à l'autre, ça peut être différent. Tu sais, s'il réagit de cette façon-là, à un moment donné. Mais oubliez pas l'autre affaire. Hein. Justin, qui est pas mal une coquille, pas mal vide, s'était mis sur la map en bonne partie avec sa bataille, son combat de boxe. Hein, puis là, il a passé pour un héros. Puis là, Sophie est débarquée sur le ring comme Adrienne dans Rocky. Puis là, c'était pas de rame. Mais c'est parce qu'on est rendu à une ère où c'est ça qui pogne plus que... Pas drôle, pareil. Que les programmes. Non, c'est pas drôle. Puis tu sais, Poliev, il a commencé à s'entraîner. Puis là, il se promène avec des petits t-shirts puis des lunettes de Top Gun. Puis regardez, moi, je suis plus musclé que Justin. Fait que là, Jamie dit, ben moi, m'a montré que je suis plus musclé que Pierre qui est plus musclé que Justin. Fait que c'est un concours de muscles. Il manque juste Elisabeth May qui saute dans le tas, mais bon. Oh. Qui s'entraîne plus tellement, me dit-on alors. J'en sais rien. OK. Merci, mon oncle Fredouille. Et le Trudeau dont Fred parlait là, à la fin, c'est Papa Trudeau. C'était pas Justin. Voilà. Oui. OK. La citation numéro 3, parce que tu as un petit peu comme... Influencé. Oui, on va dire ça, influencer le vote. Faut pas oublier que les citations, c'est comme les sondages légers. Oui. Bon, alors, M. Trudel, vous allez voter pour le PQ? Non. Non. Ah, ben pourquoi vous votez pas le PQ? Ah, ben là, non, vous devriez voter PQ. Alors, on va mettre PQ, OK, M. Trudel? C'est PQ, t'en avance. C'est fortement influencé. OK, alors, la citation, donc, du jour. De Arthur Schopenhauer. Ah! Et que je vais dédier à mon ami Léonard. Encore? Oui. Écoute, je me dis, tu vas bien finir par en retenir une. Dans finir par j'espère que ça parle pas d'un idiot encore ce matin. Mais tu vas voir, celle-là est facile à retenir, André. OK. André, oui. Il existe deux types de personnes. Évite les deux. Bonne chance. Salut, à demain. Ça commence à faire pas mal de monde. Oui, monsieur. Bonne journée. Bye. La petite vite.